l'absence de Béatrice, je vais essayer de faire un petit rappel historique sur la convention. La convention de 72, convention UNESCO, a été ratifiée par la France. Et chaque État partie qui a ratifié cette convention est garant des biens qui sont inscrits. Donc l'État garant doit mettre en œuvre tous les moyens pour la préservation, la conservation, mais également les moyens humains, les moyens pour une recherche scientifique autour de chaque bien. Aujourd'hui, 38 biens français sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial, ce qui place la France au quatrième rang. Et quand je dis quatrième rang, ça se joue à un ou deux biens. Donc on va dire qu'on est parmi les premiers. Sur ces 38 biens inscrits, 34 le sont pour des critères culturels. Ce qu'on peut dire, c'est que la convention a été signée en 72 et les premières orientations qui doivent guider la mise en œuvre de cette convention datent de 1978. Et quand on fait une analyse des orientations de 78 à 2012, on a une évolution extraordinaire dans les notions même du patrimoine mondial. C'est-à-dire que le comité du patrimoine mondial lui-même a évolué dans les notions, et c'est des notions qui sont extrêmement précises et qui nous aident à comprendre un bien et à mettre les moyens pour la préservation de ce bien. Ce que je peux dire aussi, c'est que devant la diversité des biens, la typologie des biens, nous ne sommes plus dans le simple monument, mais pour certains biens, nous sommes dans des problématiques d'aménagement du territoire. Autour de certains biens, il y a des projets de territoire qui doivent être construits. Et aussi devant l'exigence du comité du patrimoine mondial, l'État garant a dû s'organiser. Jusqu'en 2009, je m'exprime pour les biens culturels, jusqu'en 2009, au niveau du ministère de la Culture, seules deux personnes s'occupaient de tous ces dossiers qui sont très lourds. Et face à aux nouvelles exigences du comité, donc l'État a dû s'organiser. Nous avons, dans un premier temps, signé une charte avec l'Association des biens français. Et au niveau central, au ministère de la Culture, c'est toute la Direction générale des patrimoines qui est impliquée dans ces dossiers. Nous avons le département des affaires internationales, nous avons le service du patrimoine avec la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés et la sous-direction de l'archéologique. Et nous avons le département tout ce qui est cartographie. Et puis, le service du patrimoine et ces deux départements sont aidés et épaulés par l'inspection générale des patrimoines. Donc, on a dû s'organiser. Et puis, dans un premier temps, le ministre de la Culture et de la Communication a saisi les préfets de région pour la désignation de préfets de correspondants en charge des dossiers de patrimoine mondial au sein des DRAC. Donc ça s'est fait en 2010. Donc actuellement, nous avons dans chaque direction un correspondant en charge de ces questions. Ensuite, nous avons élaboré une instruction à nos services déconcentrés pour définir les rôles et missions des uns et des autres. Et justement, dans cette instruction, nous avons précisé que dans le cadre des rapports périodiques, donc cette fois-ci c'est pour 2013, la mission revient aux correspondants en DRAC. Cette mission, la ministre de la Culture et de la Communication l'a reprécisée dans la directive nationale d'orientation qui a été adressée au préfet. Et dans le cadre de cet exercice, ce sont nos correspondants
ANDRA qui sont chargés de renseigner ces rapports périodiques. Évidemment, ça ne veut pas dire que le correspondant fera seul le travail, mais la responsabilité lui incombe. Évidemment, il faut qu'un travail soit fait en amont avec tous les acteurs, que ce soit les gestionnaires, l'association, les autres services de l'État, parce que certains biens, bien sûr, le ministère de l'écologie est concerné aussi. Ce que je peux dire aussi, c'est que l'État est garant de la préservation, de la conservation de la valeur universelle du bien, de son authenticité et de son intégrité. Je pense que pour préserver un bien, il faut qu'on en connaisse la valeur. Et je pense qu'il nous appartient à tous, c'est notre rôle et notre mission, d'expliquer qu'est-ce que c'est que cette valeur universelle. Il faut qu'il y ait une appropriation de cette valeur. Il faut communiquer, il faut qu'on explique. Alors c'est vrai que c'est un exercice qui demande beaucoup de patience, de pédagogie, de communication, mais on ne peut pas exiger aux élus et à la population de préserver un bien s'ils n'en saisissent pas la valeur. Et c'est que comme ça qu'on pourra réussir à préserver notre bien. Préserver, pour nous, ne veut pas dire mettre le bien sous cloche. Comme je l'ai dit au début, nous sommes dans des problématiques d'aménagement du territoire. On doit construire des projets de développement. Ces biens sont situés dans des espaces, dans des territoires, et ces territoires, ils doivent se développer et ils doivent vivre. Sinon, ça n'a pas de sens. L'exercice, je ne dirais pas compliqué, mais la particularité de cet exercice, c'est que ce développement économique et social doit se faire en harmonie avec la VIE. Et il faut que le développement soit un développement durable. Et pour nous, le développement durable, c'est la préservation de tous nos patrimoines naturels, nos paysages, nos monuments. Et notre mission, qui n'est pas facile, c'est d'expliquer, de communiquer sur la VIE pour qu'il y ait une appropriation. Un exemple, comment aller expliquer à un élu ou à une population que leur projet, qui se situe peut-être à 30 ou 40 km du bien, va porter atteinte à la VIE? Ils ne comprennent pas. Donc c'est à nous, c'est notre rôle d'expliquer cette VIE.